You men receive my instructions in the dressing room. Obey my commands, protect yourselves at all times. Touch gloves now, man your box at the bell. God bless you both. Oh my, ouf. Ça va brasser tout à l'heure. 36 ans pour Bossé, 35 ans pour Pascal. Les deux à 5 pieds 11. 197 contre 193. Bernard, tu vas m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne plus ce soir à tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est à 186 livres alentour, Jean-Pascal et Bossé 217 à peu près. Là. Et c'est parti pour le premier round, je me rappelle, de la guerre sur le réseau social Twitter entre les deux. Qu'est-ce que ça va donner ce soir? Et on est dans deux mondes différents. Voici le résultat. On peut parler de 25 livres de différence environ, là, avec la réhydratation. Pascal, il était embarqué sur la balance hier avec ses jeans et son chandail. Et là, la foule s'y met. Hein? On crie Bossé, Bossé, Bossé ici. Il y a beaucoup de partisans, Steve Bossé. Il est négligé aussi ce soir. On va se le dire, là, c'est... Et on aime ça souvent, les négligés. Hein, c'est... Ouais, bon, direct au corps ici de Bossé, qui y va avec sa main arrière. Là, c'est son élément de feu. Et c'est un dur bagarreur, Steve Bossé. Pascal... Il en a vu d'autres, il en a relevé les défis. Pascal, fidèle à son habitude, qui, lui, au premier round, regarde ce qui se passe, étudie la situation. Éventuellement, mais on va trouver des solutions. Ça a marqué sa carrière. Et là, Bossé qui voudrait bien lui là, percer la garde de Jean avec une main droite. Et là, tu vois Steve Bossé qui va essayer de... En fait, lui va prendre confiance, va réussir à frapper, atteindre quelques bons coups. Mais est-ce que par la suite, comme tu le dis, quand Pascal va s'ajuster, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça, c'est une surprise pour beaucoup de monde. Pascal qui a commencé à placer son jab au corps. Mais dans le moment, il n'est pas très dangereux pour Bossé. Donc, Bossé est hésitant aussi parce que... Oh, la main arrière de Pascal, qui est solide sur la mâchoire. On voit, hein, Pascal a toujours été considéré comme un boxeur sournois. T'sais, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Là. Il est habile, c'est un boxeur de talent. Et lui, est imprévisible. Et Steve Bossé a une bonne mâchoire, une excellente mâchoire. Il en a reçu des coups. Alors, moins d'une minute à faire à ce premier round. Jean-Pascal a dit qu'en trois, ça allait être fini. Et on va voir si ça va se poursuivre après trois. On va commencer par ce premier-là, à le finir, à le compléter. Et Pascal qui est allé très doucement dans ce premier round. Très, très doucement. Ouais, très doucement, mais encore là, les seuls coups sur la cible qu'il y a eu, c'est Pascal qui les a placés. Mais Bossé était l'agresseur. Donc là, on arrive pour donner le round. Ça ne sera pas nécessairement évident. Là. C'est pas passé beaucoup là, d'action. Là. Ouais, ben encore là. Hein, le petit coup de plus, là, c'est Pascal qui le donne. Encore là, Pascal le sait. Là. Le round est serré. Pascal, c'est le spécialiste voleur de round. Oh, il a réussi à placer quelques coups. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est dans la stratégie de Pascal? Bien bloqué, t'as tout bien bloqué, les gars. T'as tout bien bloqué, Jean. Le jab au cœur est un peu lent. Ça, ça peut être sec. C'est ton pied dans l'avant. Là. All right? Là, c'était comme... Là, je ne vais pas vraiment décider qu'elle soit le porte au corps. Que ce soit sec, Jean, sur mon corps. On a dessus de l'eau, Pierrot, on a dessus de l'eau. Alors, on a traversé le premier round. Et Bernard, tu le donnes à qui? Oui, bien, c'est serré. J'ai donné à Bossé, surtout à cause de la fin de round. Habituellement, c'est Jean-Pascal qui vole les rounds. Là, c'est Bossé, là, selon moi, qui a volé celui-là. Mais encore là, ça n'a pas allé d'un côté comme de l'autre. Là. C'était tellement serré. Là, je regardais le faciès de Pascal dans le coin
regardez son entraîneur, Stéphane Larouche. Ouais, c'est correct, c'est bon. Ça n'a pas fait ouais, trop mal. Oui, pour eux autres, là, je suis convaincu, ça s'est passé à peu près comme prévu. Mais là, maintenant, il y a eu les ajustements. On sait le premier round souvent gagné par le boxeur, deuxième par l'entraîneur. On va voir, là, suite à ces ajustements-là, comment ça va se passer. Si un des deux va pouvoir se démarquer. C'est certain qu'on a sur le ring deux hommes forts. Là. Oui, oui, oui. Ça, c'est sans aucun doute. Là. Deux styles différents, deux ouais. mondes différents. Deux mondes différents, mais deux hommes forts, ça, ouais. c'est... Alors, pendant qu'un est professionnel de boxe, l'autre est pompier à Saint-Constant, propriétaire d'une compagnie de bois de chauffage. Ouais, c'est ça. Mais on peut dire pour Steve Bossé qu'il se tient bien. Là. Pour un gars qui n'a pas plus d'expérience que ça en boxe, fait quelques combats de boxe amateur, on peut voir que quand même, il a l'air d'un boxeur. Mais est-ce que tu sens que est-ce qu'il aurait pu s'améliorer très rapidement en allant à Détroit, selon toi? Très difficile. Là. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux aller chercher quelque chose, mais ça ne peut pas être significatif. Là. C'est la boxe, c'est un travail de longue haleine. Et là, Pascal, qui se la joue un peu parce que il fait que... Monsieur Spectacle, on l'aime bien, Jean-Pascal. Ouais. Là, on a l'impression que Pascal, il vient de mesurer la puissance de Steve Bossé. Et là, on va peut-être le voir... tranquillement changer sa stratégie. Ouais, c'est ça, Pascal qui là maintenant. Pascal qui ne regarde pas Bossé. Non, en fait, c'est ça qui. Il nous regarde. Oh, le crochet ici solide de Pascal. Ouf! Et là, Pascal qui regarde même pas en direction de Steve Bossé. Il regarde à côté. Et là, Bossé qui essaie de l'atteindre sans succès. Et Bossé qui. Bossé, lui, qui a, il veut pas laisser faire son spectacle. Là. Bossé, il dit, hey, là. Ça va faire. Ouais. Je jure, Pascal regarde totalement à droite, comme s'il regardait les spectateurs, les photographes. Et là, il aurait pu se bander les yeux aussi. Mais là, Steve Bossé, je sais pas comment il va réagir à tout ça, là, parce que c'est distrayant, hein? Au corps. Est-ce que ça a fait mal à Pascal? On ne le sait pas. Mais bref, on a commencé à voir le spectacle. Jean-Pascal. Il faut absolument que Jean-Pascal réagisse. Il ne faut pas laisser aller les rounds comme ça là, en faisant un peu trop son spectacle. Oui, mais il a dit que c'était au troisième. Ouais. Ça se terminait. Mais là, il s'est mis de la pression. Là. Il s'est mis beaucoup de pression. Regarde, il va lui rire. Il va lui glisser quelque chose à l'oreille. Un bon crochet, c'est de Pascal. Un de ses seuls bons coups du round. Moi, j'ai hâte de voir quand Pascal va véritablement toucher solidement Steve Bossé. Comment il va réagir, Bossé? L'assaut-marien, l'entraîneur. C'est ça, hein? L'assaut-marien, qui celui qui donne les directives à Steve Bossé dans le coin. Alors, on est à ce fameux troisième. Et là, t'as donné le round à Steve Bossé encore? J'ai donné le round à Bossé, moi. Il y a eu très, très peu de coups sur la cible, mais Bossé a été l'agresseur. Et là, Steve Bossé qui frappe Jean-Pascal. Et là, Pascal qui recommence encore à regarder à gauche. Et là, les gens crient « Bossé, Bossé, Bossé! » Oh, bon coup au corps de Bossé. C'était solide. Sous le coude de Pascal. Son meilleur coup du combat amené jusqu'à maintenant. Beau jab ici de Pascal. Et on sait, il y en a un bon jab. Et
Et là, on entend dans le coin de Steve Bossé de mettre de la pression, de mettre de la pression sur Jean-Pascal. C'est sûr que pour Bossé, on ne peut pas vraiment jouer plus fin avec Pascal. On va être deuxième. Donc, il faut que ça se passe à la manière de Bossé. Il faut que ça se passe de façon physique. Il faut que Bossé se serve de son poids s'il y a corps à corps. Je pense qu'on a un bon arbitre, là, un des meilleurs au niveau international. Oh, et là, Bossé qui vient de passer une solide droite quand même à Pascal. Mike Griffin, qui est un des meilleurs arbitres internationaux là, qu'on a sur le ring. On est chanceux, un gars de Montréal, un gars de Pointe-Saint-Charles, Sud-Ouest, qui nous fait honneur partout sur la planète. Et là, Pascal qui a décidé d'ouvrir deux combinaisons. En contre-attaque. En contre-attaque encore une fois. Et voilà, il avait dit au troisième round. Et Bossé est en problème, là, maintenant. Il est en problème. Pascal a trouvé ses repères. Est-ce que ça va se terminer là? On le sait pas, mais il reste 45 secondes maintenant au troisième round. Encore une fois, et le Pascal qui vient de frapper avec une dévastatrice gauche. Et encore une fois, au corps. Au corps. Encore une fois. Et là, Bossé fait signe. Je suis capable d'en prendre. Il est solide, Bossé, avoir pris tout ça. Est-ce qu'on va aller plus loin que ça? Encore une fois, rapide, Pascal réussit à atteindre la cible. Oh, Pascal fait un mal dans ce round. Est-ce qu'on va se rendre au quatrième round? Eh bien oui, on va se rendre au quatrième round. Wow! Bon, Bernard, la pétition de Jean-Pascal a à moitié fonctionné. Oui, ça a passé bien près. Et le coup de la pince à cils, je ne le connais pas encore. Là. On l'a vu aller avec deux mains ouais, en même temps. Oui, je pense que c'est ça. Il a essayé la pince. Il a essayé de faire une pince avec ses bras. Oh, il y a eu un uppercut quand même assez solide de la part de Bossé. Oui, Bossé a eu des bons moments en début de round. Mais par la suite, le Pascal s'est mis là, à lancer des bombes. Et éventuellement, là, sa mère a son crochet. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que Bossé est solide, courageux. Oui, parce que des boxeurs qui ne se seraient pas le relever après ça. Pascal lui en a donné des bons, là, avec précision. Un peu de confusion dans le coin de Bossé là, pour avoir son protecteur buccal. Il en aura bien besoin. Bon, ben surveillons ce quatrième round parce que là, ça promet. Et là, tu as les partisans de Jean-Pascal aussi qui se sont mis un peu à scander son nom ici. Pascal qui tente d'attirer Bossé. Oh. Encore une fois, c'est la gauche qui marche. Pascal, lorsqu'il ouvre comme ça et qu'il atteint la cible, sa force de frappe est toujours Pascal est très félin, là, et très actif. Et pour Bossé, ça vient vite, là. On est inquiet dans son coin, là. Je te dis, on est près de ses entraîneurs. Là. On lui demande de tenir ses mains hautes, là. Parce que là, Pascal touche régulièrement avec son crochet, là. Et on sait à quel point il y en a un bon. Pascal qui attend sa chance. Il veut que Bossé se compromette. Bon, on voit Bossé sa force de frappe là, actuellement. Elle a été handicapée par justement le coup qu'il a reçu au round précédent. Mais indépendamment du résultat, une chose est certaine, c'est que Bossé est solide. Ouf! Aïe, 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 aïe.
Oh, ça vient tout partout, ça vient rapidement. Là. Bossé qui réussit quand même. Oh! Encore une fois. Encore une fois, toujours la gauche qui paie. Et là, Bossé est ébranlé. Il est Bossé est ébranlé. Oh! En une fois! Et c'est la moulinette. Ça ne fonctionne pas pour Pascal. Oh, Bossé n'est pas solide sur ses jambes là actuellement. Aïe, 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 là. Bossé... Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Bossé est ralenti là, par tous ces coups de puissance là. Ça a cogné souvent à la porte. 40 secondes. Quel coup de puissance sur la cible que Pascal a placé. Et là, Bossé est beaucoup moins vigoureux. Bossé qui est hésitant à se compromettre. Là. Ça n'a pas été payant pour lui. Là. Quand il ouvre le jeu, Pascal lui réplique en contre-attaque et ça fait mal. Encore une fois. Encore une fois. Encore. Une autre fois. Et à chaque fois, Bossé se fait prendre avec la gauche de Jean-Pascal qui atteint la cible. Et là, c'est au corps. Et Bossé qui continue. Bossé qui prend tout. On ne peut pas dire que Steve Bossé n'est pas courageux ce soir et qu'il n'est pas encaisseur parce que... Il y en a vu d'autres, là, vous remarquerez, mais bon... On va lever notre chapeau, là, parce qu'il s'est tellement fait frapper durement et on sait que Jean-Pascal est capable de puissance avec son crochet. Et a tout pris ça et retourné dans le coin, mais tellement de travail pour ces hommes de coin. Autant au point de vue physique que la motivation. Regardez comment ça... C'est sa gauche, Jean-Pascal, tout de suite. Comme un vif comme un chat. La main droite de Bossé est basse. Donc, ça passe au visage de ta découverte. À chaque fois que Bossé utilise sa main arrière, elle revient basse. Et à ce moment-là, c'est facile pour Jean-Pascal. C'est à répétition, là. Méchante carapace que ce Steve Bossé. Il encaisse. Encore une fois, un petit peu. Le protecteur buccal est long venir. Là. On gagne et quelques secondes. C'est que c'est important actuellement. C'est important. Alors, Jean-Pascal a gagné les deux derniers rounds. On s'entend là-dessus. Voyons maintenant sa stratégie, ce qu'il nous réserve. Il est bossé, hein, là. Contrairement au premier round, il est beaucoup hésitant parce que il sait là, le danger est là, là. À partir du moment qu'il utilise sa main arrière. Ben, Pascal, en contre-attaque, utilise son crochet parce que la main arrière revient basse ou elle n'est pas revenue du tout. Là. Et là, les gens commencent à vouloir encourager Steve Bossé pour lui redonner de l'énergie. Il a réussi à placer un uppercut à Pascal. Bossé qui compte beaucoup, lui, sur l'endurance d'emmener le combat le plus loin possible. Parce que lui, son objectif à Bossé, c'est quoi? Il l'a dit. Il s'en est pas caché. Il veut casser Pascal. Il veut le casser. On va se dire les vraies affaires, Bernard. Là, c'est un bon spectacle qu'on voit actuellement. Oh, et sans aucun doute. De ceux qu'on dit, c'est pas de bon sens de voir ça. Ça finirait dans les prochaines secondes qu'on pourrait pas se plaindre. Exactement. Comme disait Pascal tout à l'heure, moi, j'aime quelqu'un qui divertit la foule. Eh bien, la mission accomplie jusqu'à maintenant. Puis Steve Bossé, de son côté, bien, c'est M. Courage avec tout ce qu'il a pu encaisser. Mais Bossé, bien entendu, lui-là, compte sur le fait que plus le combat avance, plus peut-être Pascal va ressentir la fatigue. Oh! Quel droit! Oh, il lui a fait mal, là, encore, là. Les genoux ont plié. Les genoux ont plié, là. Et Bossé qui est toujours sur ses jambes. Heureusement, Bossé se déplace bien, lui. Il ne reste pas trop sur place. Mais là, à ce niveau-là, trop près comme ça, Bossé ne peut pas marquer des points, ne peut pas faire mal, ne peut pas déranger. Mais il peut épuiser Pascal. Il devrait rester là un peu plus longtemps. Là. Là, dans les camps, Pascal se défend pas trop. Mais Pascal attend sa chance en contre-attaque. Là. Contre-attaque incisive. Là. Ça s'en vient. Et Bossé qui réussit quand même à placer une couple de coups qui traversent la défense de Pascal.
Et quand ça sort, c'est rapide. Regardez ça. Oh, attention, 20 secondes, Michael Griffin qui demande que les deux boxeurs se séparent. Et là, Pascal qui va finir ça en force. Quel bon round, Guy. Wow! Et wow! Et bien, en effet. Hey, on est encore là. Moi, je suis surpris, Bernard, d'être encore là. On est au sixième. Moi, ce qui me surprend, c'est que Bossy a un combat professionnel. Oh, il se débrouille vraiment bien, là. C'est pas honteux de voir ça du tout, là. Moi, ça m'impressionne de voir... c'est certain qu'on voit le bagage de Jean-Pascal, mais... Wow! Luc Vincent, beaucoup de travail dans le coin de Bossy. Et Mike Griffin est venu lui dire de là, arranger pour avoir le protecteur buccal à temps. Time la gompo, là. Tu t'assois, tu te sens gompo, là. Garde drette, là, tu t'assieds là-dessus. La droite est partie des airs. All right? Les airs, c'est la tête, là. Stéphane Larouche lui a recommandé de travailler en contre-attaque, d'être incisif. Au septième, si ça se rend là, je vais commencer à crier Rocky. Moi. Ouais. Ouais. Bon, c'est toujours là, hein? On est rendu au sixième, là. Ouais. Et... Garde le centre. Oh, quelle belle combinaison aussi de Bossy. Pascal était adossé au câble. Il n'avait plus de place, celui-là, là, pour esquiver. Là. Je pense qu'on va assister à chaque round à la portion du spectacle de Jean-Pascal. Là, ouais, ça sent bien, ça. Ça sent bien. Il a toujours travaillé, lui-là, Pascal, par séquence, ouais, dans un round, et surtout quand il reste 10 secondes. Là. Voilà. Et encore une fois, le crochet qui a touché durement. Là. C'est parti. Ben, bon crochet ici de Bossy que... de passer la défensive. Attention à son crochet. Oh, Bossy qui est hésitant. C'est avec prudence, hein? C'est ça. Il lance sa droite, la ramène rapidement, mais ça n'avait aucune possibilité de toucher la cible. Il manquait quelques pouces. Bossy qui réussit à appliquer des coups à Pascal. On ne sait jamais. Hein? Réussit à lui faire mal peut-être, je ne sais pas. Pascal qui se défend bien, qui réussit à se protéger. Mais Bossy, c'est un gars qui a quand même une excellente force de frappe aussi. Belle combinaison aussi de Pascal, corps-tête. Maintenant, les civils, là, ouais, là, le crochet au corps et à la tête est bossé à carreau de monde. Oh, mes amis! J'aimerais être dans la tête de Jean-Pascal pour savoir ce qu'il pense actuellement. Ouais, il est pris dans toute une bagarre. Et là, c'est Bossy là, qui finit en force. Il ne recule pas, ce Steve Bossy. Comment c'est ton énergie?
l'énergie, tes jambes. Tu peux se fatiguer un peu. T'es fatigué, là? Ah ouais, je comprends, mais tu laisses pas frapper gratis, tu comprends, là? Regarde où tu frappes. Juste regarder, mets tes yeux sur la cible, Jack. All right, mets tes yeux sur la cible. Là, tu frappes un peu partout dans le tête. Tu frappes sur le côté de la tête, dans le cou. Envoie-les sur la pile, crochette gauche. Envoie-les sur la pile comme ça. All right? Puis, gars, avant de partir ton crochette gauche, envoie une courbe droite. Et voilà, les meilleurs coups, en fait, de Steve Bossé au dernier round. Il a réussi à atteindre quand même Jean-Pascal assez solidement. Ah oh oui, Bossé qui a eu ses bons moments dans ce round-là. Surtout terminé en force. La différence de poids, Bernard, entre les deux à ce stade-ci, qui ça peut avantager plus le combat? C'est certain que le boxeur qui est plus pesant, bien un avantage certain. C'est pour ça qu'il y a 17 divisions de poids dans la boxe professionnelle. Et que la division reine, la division roi, c'est la division des poids lourds. Et on est là dans le combat de poids lourds. Mais Bossé, là, est avantageux à ce niveau-là, ça, sans aucun doute. Et là, Pascal qui ouvre le jeu avec son crochet. C'est qu'il aimerait bien, lui, là, que sa main droite, là, avec laquelle il a terrassé énormément de joueurs de hockey, de combattants du MMA, l'UFC, lui qui, dans ses combats, était souvent le combat le plus spectaculaire de la soirée, qui faisait en sorte qu'il y avait un bonus rattaché à ça. Et combien de fractures il a eu aux jointures et aux mains, Steve Bossé? Il a été opéré, je pense, près d'une dizaine de fois. Et là, Pascal qui... Il allait se battre dans les arts martiaux mix jusqu'en Australie. Donc, c'est la grande qualité de combattant. Le Bossé qui est toujours là, qui réussit à appliquer des bons coups à Jean-Pascal. Des bons coups, solides coups dans les câbles. Encore une fois. Oui, Bossé qui réussit à placer des coups solides, mais Pascal qui referme sa défensive. Stéphane Larouche hein, qui lui a dit là, de laisser Bossé là, dépenser d'énergie là, autant que possible. Donc de travailler en défensive. Encore une fois, la gauche. C'est toujours la frappe qui fonctionne le plus pour Pascal. Ouais. Oh, le crochet encore. La main. Oh, que c'était solide. Et on voit la précision de Pascal comparativement à Bossé. Encore une fois. Encore. Il les prend, hein? Il les prend, Bossé, les coups de Pascal. Bossé qui est en confiance, plus le combat avance. Il est brûlé, c'est le temps. Et respire. La ceinture, ça va? Respire. Gros, je veux plus que tu échanges à l'œil dans le centre du ring, OK? Quand tu échanges, son dos, il est au câble. OK? C'est dans ce temps-là que tu échanges. Ouais, je suis sûr pas te faire endormir et te faire poigner par une contre-attaque, OK? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux pas que tu échanges dans le sens. Au début, on fait l'inverse. Non, c'est le recul d'un cap. Ça, c'est des coups à répétition de Pascal, hein, sur la cible, mais il y en a placé des super bons. On a vu là, la différence entre Bossé qui lançait, mais que c'était pas précis, mais Pascal avec son crochet, là, wow! Regarde à quel point Steve Bossé, quand il revient, là. Lui, il dit, moi, là, ce soir, là, je suis venu ici pour me battre. Et à date, ses objectifs sont atteints.
De là à dire je vais battre Jean-Pascal, il y a nos paires de manches pas finies, mais jusqu'à maintenant, on a un sacré bon combat. Alors, on a vu la carte de Bernard. Deux rounds d'avantage pour Jean-Pascal jusqu'ici, dans l'affrontement. Il reste encore de la bonne boxe. On est au huitième. La précision de Pascal a fait de la différence, ouais, avec les coups de puissance. Selon moi. Méfiez-vous pas. Sur moi, non, fiez-vous pas. Attendez la décision officielle, si on se rend à la décision. Ouf! Et là, Pascal qui encaisse quand même. Et Pascal devra vraiment commencer à faire attention parce que... Il travaille continuellement, mais on le voit surtout travailler avec son crochet de la main avant. Et on voit peu de main arrière de Jean-Pascal. Aurait-il une blessure? Je pose la question. Okay. Parce que c'est tellement répétitif, le crochet de la main avant. J'ai l'impression qu'il se bat juste avec un bras, là, comme c'est là. C'est certain qu'avec ses coups de puissance-là, il va chercher le respect de Bossé, qui est hésitant, lui, là, à revenir. Je crois que Pascal attend juste le coup, le coup. Mais le temps file. Huitième round. On va pouvoir la main droite là, maintenant de Pascal qui a placé au corps. Là, un petit sourire d'un côté comme de l'autre. On est très compétitif. Là. On veut montrer à l'autre que... Et là, encore là, Pascal avec son crochet. Ah, au corps et à la tête. On dirait que Bossé, plus le combat avance, plus il est solide. Prend tellement de coups, ça, sur la cible. C'est incroyable, là, le nombre de coups, là, franc, avec transfert de poids qu'il a sur la cible. Peu importe le résultat du combat de ce soir, les gens auront beaucoup de respect pour Steve Bossé. Ah, ça, il a marqué l'histoire, là, Steve Bossé, là, en donnant une telle performance. Là. Indépendamment du résultat, là, on peut lever notre chapeau. Il fait tous les sacrifices. Allé au Crown Gym à Détroit. Il y a peu de boxeurs québécois qui sont allés là. Parce que ça, c'est pas long qu'ils ne peuvent pas faire long dans ce gym-là. Adonis Stevenson est... Ouais, Adonis Stevenson est un des seuls à avoir réussi à s'imposer dans ce gymnase-là. Que ça frappe! Que ça frappe! Que ça frappe! À force de recevoir des coups, Bossé l'a trouvé très difficile le dernier à la mâchoire. Oh, que c'est difficile pour Steve Bossé! Mais il s'est relevé. Non, c'est terminé! C'est terminé! Jean-Pascal! Qui termine ça! KO. Son crochet a finalement tranché la tête de Bossé. Tout le monde est debout ici à la Place Belle. On a aimé le spectacle. On a eu droit à tout un combat de boxe. Félicitations à Bossé pour sa performance. Et Pascal qui a démontré que lui, c'était lui qui est le calibre mondial. C'en était trop, là. Crochet par-dessus crochet, pas de défensive, les mains basses. C'est Bossé, la tête ballottée au vent. J'ai hâte qu'on revoie la reprise parce que je vous assure que ça frappait, là. Nous, d'où on est situé, juste à côté. On est à deux mètres de l'action. À partir du moment que Bossé ouvrait le jeu, là, il donnait l'opportunité à Pascal. Et regarde, là. Crochet, ça revenait. Un autre. Et là, le dernier, sur la pointe du menton. Et c'en était fait. Steve Bossé était dans les bonbons mêlés. Là. Il n'a pas été capable de revenir pour le compte de 10, de battre le compte de 10. Et Mike Griffin, là, lui a juste, l'a juste protégé. Là. Et regardez la réaction de Steve Bossé. Il vient de se faire mettre KO. Il prend la peine de regarder Jean-Pascal en lui disant « Tu m'as eu, tu m'as eu. » C'est un combattant jusqu'à la
jusqu'au dernier moment. Mais on peut dire une chose, ils nous ont donné tout un combat de boxe, tout un spectacle. Et c'est tout à l'honneur de Steve Bossé, qui a été très compétitif. A été très dangereux, solide. Et qui aurait pu penser qu'il aurait donné une telle performance? Un comme ça, moi, j'aurais pas mis ma maison là-dessus. Oh, bien d'accord avec toi. Et on va sûrement revoir ses bossés en boxe parce qu'il mérite de revenir. Oui. Ouais, on voit bosser. Oui, c'est ça, là. Oui, mais là. Peut-être une petite fracture au niveau de la joue. Oui, il en a reçu des coups. Tellement reçu de coups, là. Immédiatement, on s'en va à Christian Gauthier pour la décision officielle. Encore une fois, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour ces deux guerriers. Let's hear it for these two warriors. Le gagnant de ce combat par KO à la fin du deuxième round. Winner of this contest by knockout at the end of the eighth round, Jean-Pascal. Victoire de Jean-Pascal par KO. Une 33e victoire pour lui. Les deux ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et je pense que le meilleur boxeur a gagné ce soir. Mais Pascal n'a pas réussi sa prédiction du troisième round, mais il a réussi.